Allez, on se retrouve sur Star Valor, je suis TKMON, on repart jouer là-dessus, 73e épisode YouTube. Et merci à Twitch, à tous ceux qui sont là pour me suivre, très sympa. Et on repart dans l'espace, le pitch, eh bien, on a fini notre secteur, on est rendu jusqu'au niveau 45. On va rentrer, bien sûr, à la base où on a laissé beaucoup de minerais, beaucoup de choses. On prépare un nouveau vaisseau, qu'on n'a pas les points de talent, mais c'est pas grave. Mais en attendant, ce qui est étrange... Hop, je recentre. Il y a un système qu'on n'avait pas exploré là. Ici non plus, et pas trop. 18%. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, on va quand même explorer celui-là, on va jeter un œil. Et après on rentre déposer le minerai. Au pire, on revient. Ah bah, ça sent le pirate! Comment dire? Des crânes rouges. Voilà, ça c'est fait. Un petit système moyen, niveau 17, pas compliqué, rien d'extraordinaire. On se le fait en grand rush. S'il me laisse passer. Là, il n'y a pas de nébuleuse, donc normalement les scans marchent très bien. On va monter. Hein. On va même pas voir la station civile. Là, on fait juste explo. C'est parti. Pour 45 minutes de bonheur, dans l'espace. Ouais, on va même pouvoir monter un cran. Les radars fonctionnent très bien sans nébuleuse. Le petit crâne rouge. Oh là! Il sert à quoi lui? M'a surpris. Donc oui, j'ai une barrière énergétique qui me protège quelques secondes à la recharger. Ça, c'est vachement bien quand on va sur les stations. Et qu'est-ce qui se passe? Signal de détresse. Quelqu'un a besoin de nous. Est-ce que c'est un vaisseau à la dérive? Oh mais il est loin. On est en zone morte là. Ok. Et on a sauvé Edward Schuller. Est-ce que tu valais le coup? C'est encore un pilote. Ouais, bon. Écoutez. Oh, mais c'est un atelier de création. J'ai pas fait gaffe. On va aller voir. On peut avoir des patterns intéressants. On va faire un nettoyage de haut en bas, alors. On va retomber dessus. Go. On s'arrête pas en fond. On récupère pas les débris, là. Allez. Bien. On ne ramasse pas les débris, j'ai dit. Bon, quoique. Oh, il y a plus de métal raffiné. Oh, c'est super. Oh, il est invisible celui-là. Il est où? Il est mort? Ou il a warpé? Il s'est enfui, il a pris un voile. Un maquillage, ok. Cage de pirate. Oui, on va le faire. Et on a créé une station spatiale de pirates. Allez, on est au niveau 17, on va tout nettoyer. C'est pour les points de la flotte. Ok, on va libérer nos soigneurs. On va avoir besoin de vous, les gars. Et on y va. On y va, cool. Petite ou grosse station? C'est une station moyenne. Hop. Et il tire des gros blasters. Attends, il y a un pirate là. Ah. Où en est sa barre de vie? Oh. Ok. Ok, ok. On a réussi à la poutrer. On va ramener nos mercenaires qu'on paye pour nous aider.
C'est la seule solution pour s'en sortir au début. Qu'est-ce qu'on a looté? Ça, c'est inutile, hein. Le canon à ion. Allez, on va faire un peu de ménage. Le blaster léger Vengi. Peut-être qu'on pourra la prendre, ces 4, c'est pas mal, hein. Dégâts par seconde, 59. Et ça fait que 8,4 dégâts. Pour un tout petit vaisseau, c'est pas mal, ça, hein. Blindage de titane avancé. 210, moi je suis à 400 quasiment de portée. On le vire, négociant on a 3. Moi j'ai d'améliorer, on va détruire ça. Dispatcheur de chaleur, raffinerie mobile. Ok, rien de top. Écoute, hein, tout le monde est réparé. On récupère le drone. Donc tout ça, c'est toujours raccourci. La raffinerie, c'est toujours raccourci. Les drones, pareil. Les bêtes d'attaque, c'est pareil. Ça se fait bien. Et on repasse par là. D'ailleurs, c'est quoi ici? Wouf, c'est des bleus. On s'en fiche. Allez, une bonne poussée. Il y aura des pirates à poutrer. Donc contrôle technomancien, il reste plus que. On va aller à l'atelier. Tiens. On va aller les voir. Avant que j'oublie. Moi je vais vers l'élite. Voilà. Non, j'ai plus grand chose à apprendre. Atelier de création. On peut pas réparer parce que je suis bien. On peut avoir quoi? Impulsion lourd, mais je le connais le schéma. Recherche tier 2. Le canon rafale, on le connaît. L'émetteur, connu. 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 Pareil. Attends, il en vend un? Ah oui, il aurait que un à vendre. Il vend des équipements. Rien d'extraordinaire. Et des armes. Rien d'extraordinaire. Donc ça c'est fait. Hop. On va ressortir la flotte de la station. Et on va finir ce système. Bon sang de bois. Qu'on bouge. Détruire cette station, en fait, c'est toute la frustration que tu enlèves à force d'avoir pris des claques. Ça fait du bien. Ça n'empêchera pas peut-être de revenir sur le jeu Star Sector qui était en anglais. Faudra que je vois plus tard si j'ai envie. C'est le même principe. Maintenant que j'ai compris avec Star Valor en français, comment ça fonctionne tout ça, le flux. Ça pourrait être super fun, peut-être. Quand je vous parle de Star Sector, je vous conseille de voir Bob Lennon, il a fait une super playlist là-dessus, une super baston. Il vend du rêve aussi. Hein. Déchets. On a bientôt fini avec le système, bien. Deux cages de pirates. Ça marche les affaires. Il est top. Laser léger, on s'en moque. Ok, on vire dessus. Oh bah ils vont se faire allumer. On vire pas dessus du tout parce qu'on va faire des dégâts collatéraux. Ils sont déjà occupés. On va juste faire cela. Et on va partir. Allez! Avec mon laser de minage, je suis en train de poutrer. Et on a gagné du platine. Bon, on se casse. On se casse. Et on va à notre station. C'est parti. Ok, il y a RAS. On y va. On va tout déposer. On va vider le coffre-fort. Nous sommes de la guilde des miniers. Donc j'ai une station minière, évidemment. On peut tout vendre.
J'ai une pirate notoire, j'ai gagné quoi? Scanner Autorium, qu'on connaît, rayon laser amélioré. Qui est pas dégueu. En violet. L'engagement de la réputation, on s'en fout. On connaît le schéma, on s'en moque. On connaît quasiment tout maintenant, on est bien. En système 41, on aurait un pirate à tuer. Il est argent. Au cas où on passe. Et là, c'est que de la répute, c'est pareil, on refuse. En académie, ah, on a Lenny Turing, ingénieur. Efficacité 108. Ouais, on va l'engager, hein. Alors, on va regarder ce canon. Rayon laser, ça aussi. Qu'est-ce que j'ai comme bête de drone de réparation? Puisque je répare. J'ai du MK2, j'ai pas mieux. On va le garder. Dissipateur de chaleur, 16%. Avec le pirate, c'est mieux. On va le garder quand même, ça coûte cher ces petits trucs. On va déposer, on va faire le point. Et tout ça. Pourquoi je dépose tous les lingots maintenant quand je fais pas du fric? Pour fabriquer des armes. On va réfléchir à des missiles, je pense. Un truc qui crache sans arrêt, ça pourrait être pas mal. Donc là, on active la flotte, on va vider tout le monde. Les soigneurs, est-ce qu'ils ont des choses? Voilà, on va vendre tes déchets. Mini papal. On en a des trucs, toi? Ah, j'ai vendu mince. Le tranquille, munitions, du platine. Un stabilisateur d'âme. Espace zéro. On va t'équiper, hein. Voilà. Cool. Cool pour le gardien. C'est bien. Le coffre-fort, ça y est, c'est temps. De déposer tout ça. De toute façon, qu'est-ce que t'as comme arme? Lance-missile, on va garder les missiles. On va bouclier 3, on va déposer. Non. Et on vide les coffres. Ça, c'est beau. Les ZAD. Kit d'amélioration, oui. Alors, ça, c'est aléatoire, à chaque fois, ça change dans le sens, mais. Un railgun. Déposer. T'as plus de place, de toute façon. Et on dépose le fer. Voilà. C'est très très pratique. Maintenant, c'est du confort, tout ça. Ok. Fin des modifications. On va juste récupérer les minerais à fondre. On a 10 gris, 2 rouges, 3 verts. On va les fondre. On a quoi? Du cobalt, du titane? Ah, c'est bien. On va déposer. Et on va aussi déposer ici les gens. On a 8 passagers débarqués. Voilà, on commence à avoir une foule de gens. On a un seul violet, Paul Schuller, qui est quoi, lui? Tacticien, mais est-ce que j'ai besoin d'un tacticien, moi? Non, c'est pour les plus gros vaisseaux. D'ailleurs, est-ce qu'on a sauvé des gens? Non. Ah, Paul Avright, ici, dépose. On pourra débarquer tous les verts, hein, mais il y a des bons, des fois. 0, 0, 0. Bien. On a 5 points. On est content. Fabrication, c'est parti. Zeus, de quoi on a besoin, dis-moi. Des micropuces, il en faut 200, on en ramènera. Aluminium, il en manque un peu. Il en manque beaucoup. Alors, des composants ardoniens, il en manquera une masse. Supérieur 27, ouais, c'est ça. Est-ce que je peux en faire 6?
1, 2, 3, 4, 5. Et il me manque du siliciable. Et on a capté quelque chose. On y va. Une relique. Salut chez Tinou. Salut mon grand. Ah, ça fait du bien de se retrouver en live et en repos. C'est toujours cool. Donc là, c'est le petit display tranquille avant ce soir où je vais me faire tuer en boucle, je pense, sur Valheim. On a eu la relique, on revient. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, bon, bien sûr l'aluminium, mais pour les crafts ardoniens, il nous faut d'iridium pour aller dans les zones où il y a des essorites verts pour pouvoir crafter ce satané vaisseau. Et le reste, ça va, je pense. Au pire, l'aluminium, je l'achète. Et je pense pas que la station vende de l'iridium. On dépose la relique, les composants supérieurs, c'est cool. Encore ? Je la vois pas. Là, il est hors système, on s'en fout. On s'en fout. On va pas courir après tout le temps. Donc, il nous manque plus que quoi ? Composants. Il manque un. Et en ardonien, il en faut 25. J'en ai que 4. Misère. Ça pique. Ça, il nous faut ce truc-là. Régulateur thermique, il en faut 20 chaque. Régulateur et émetteur. J'en ai combien ? Est-ce que je peux en faire 10 ? J'en ai fabriqué 10. Encore 4 alors. On avait assez de métal raffiné, cool. On a les émetteurs. Les régulateurs, il m'en faut 10. On a assez de métal. Oh, c'est chouette. Bon, bah si je fais le point... On n'a plus aucune difficulté. Micropuce, il m'en faut combien ? Je ne les ai pas laissés là ? Dans la station. Il m'en faut 18, on va en acheter. Ça, c'est ok. L'aluminium, on s'en moque. Non, ils vendent pas. Ils vendent du platine, ils ne vendent pas d'iridium. Ils vendent un yak qui est sympa, le faucheur. Ouais. Ouais. Donc on aurait tout le reste. On y arrive, hein, c'est incroyable. On sauvegarde, on est bien. Que j'ai moi, je sauvegarde mais je reviens dedans bêtement. Canon Vulcain. Pourquoi j'ai des munitions Vulcain? Je n'ai plus. Tout est posé. J'ai pas repris l'artilleur. Pas besoin non plus du canon. Voilà. Allez, tout le monde sort. On va bouger, il nous faut des astéroïdes verts, c'est joli là, 34, très riche. On va jeter un œil. Oula. On va commencer par ce champ de débris, il n'y a pas de station dans le coin. Il y a des mercenaires. On va voir ces astéroïdes verts, c'est ce qui m'intéresserait le plus. Et ça pourrait être bien. Je commence à y croire au vaisseau. Hein. Y a pas moyen de docker. Si, sinon, je reviens tout seul avec le coffre-fort. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh punaise, si. Allez, revenez là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Allez, c'est cadeau. On va les faire docker.
On va éliminer. Une relique ancienne a été détectée. Je la vois. Et on va appeler le coffre-fort. Et puis on va emmener tranquille avec nous. Voilà. On est parti. On a repéré ce système. Et on va essayer d'avoir de l'iridium. Le métal ultime. Normalement, si je regarde, j'ai Osef avec moi. Ouais, elle est là. Et Mini Papal. Les soigneurs sont avec nous. Bon! On va leur donner du mou. C'est quel niveau le système? 34. Donc, normalement, on va pas être embêté. Lithium, c'est un bleu. Là, c'est un rouge. On va le prendre. On y va. Si on a le coffre-fort, on devrait y arriver. Alors, est-ce qu'on va avoir d'iridium? 10% de chance. On a eu de l'iridium! Un vrai mineur, ok. D'accord. C'est quoi ça? 3% de chance de miner des métaux précieux. Oh, c'est cool. Maintenant que j'ai appris avec géologie, je peux en avoir. Il n'y a pas d'iridium là-dedans. Oh, un astéroïde vert là. D'ailleurs, on va cacher un peu ça. Il n'y en a pas ici non plus. Bon. Ici, il peut y avoir. On n'en a pas. On crache pas sur le silicium ni le lithium. Ici, non. Mais au moins, il y a des astéroïdes verts. Ça, c'est cool. Non plus. On va mettre de côté les bleus, on s'en moque pour l'instant. Quoique, c'est l'aluminium, mais... Ah, alors. Non. En fondant le métal vert, le minerai vert, on peut en avoir hein, quand même. Qu'est-ce qu'on a là? Bleu. Fer, nickel, non. Moi je veux de l'aluminium, donc c'est pas les bleus. Attends, on va laisser tomber ça. Le scanner d'astéroïdes, c'est quand même pratique. J'avoue. Cobalt. Aluminium, 10% de chance. On en a un peu. Off le cuivre, on s'en moque. Entrer dans zone morte. Aluminium, 20%. Allez, tiens. Ça se vend bien le cobalt, c'est de l'argent. Non, je concentre-toi sur ce que t'as besoin. Je suis full, moi. J'ai ramené donc plus près de moi la portée. Ils sont à côté, donc ça va être le boulot du coffre-fort. J'aurais pas dû aller tranquille. J'aurais pas dû t'amener. Cobalt, nickel, on s'en moque. Ah, il n'y a pas d'iridium partout. Hein.
remonter par là. Astéroïde vert. Iridium, 20% de chance. Non. On va souffrir, je vous dis ça. Déjà fait tout ça, on va bouger. Là, c'est le vrai prospecteur minier. 20%. Non. Crotte. Bon, on va être patient. Hein. C'est vrai qu'on veut fabriquer des armes aussi. Distorsion hostile détectée. Je le vois. Pourquoi ? Maraudeur. Oui, pas élite. Ok. On s'en moque. Si je pouvais, j'achèterais. On a fouillé celui-là. On a deux spots ici. Oh, ils sont immenses. Cool. On avait quoi? Un ou deux iridiums, c'est tout ce qu'on a eu. Cuivre et gallium. Ouais. Aluminium. Ah donc c'est les rouges aluminium. Ok. Ça marche. Voilà. On est parti. Non, ça manque de celui-là. 10% de chance, donne-moi un. J'en ai un. Ah punaise, merci. On a lu 100% de chance, non 10% évidemment. Crotte de crotte. Alors on plonge, on pousse tout ça. Qu'est-ce que tu as toi? Fer, nickel. Ici on a une petite chance. Perdu. Oh attends, j'avais pas vu celui-là. Clac. Alu. J'ai peur que le maximum d'astéroïdes verts c'est dans les champs spatiaux à débris qui vont à toute vitesse, mais il faut un vaisseau pour ça, pour pas mourir. Pas très clair, mais il y a un endroit où ça se déplace très vite, on se prend tout dans la tronche. Et il faut pouvoir encaisser. Titane, ouais. Toujours pour le pèse, hein, après tout. Bon, je me défoule, mais ça sert à rien. Il y a un spot en bas, on y va. Et on va faire le point, combien ça a ramené de iridium. Pas des masses. Cobalt. Attends, coco là. Bismuth, c'est pas grave. Iridium, 20%. Ouais, il y a quoi? Un ou deux astéroïdes par filon?
C'est un peu la dèche. Ce que je pense, c'est que on va peut-être partir à l'aventure, tout simplement, explorer, et puis au fur et à mesure des astéroïdes verts, on ira. Il reste plus que ce champ là-haut, on y va. En fait, c'est les petits astéroïdes qu'on aurait peut-être. Dans Samarium. Est-ce que coffre-fort, tu peux, s'il te plaît? Allez. Moi, j'ai rien à fondre, hein. Je crois pas. Ah, j'en ai eu un, cool. C'est quoi ça? Alors ça, c'est pour le screen d'amour. Tac. Et on en a pas eu, évidemment. Alu, même pas. Du verre, bon. Ça rapporte, hein. 10% d'iridium. Platine. Je sais pas là. Là, je ne sais vraiment pas. Est-ce que t'es plein? Je pense que le coffre-fort est plein. Eh ben. On rentre. Et on va voir si on peut en crafter un petit peu. C'était l'expérience du farm d'iridium. ...280, ma grande batterie que l'ardonienne 250, ah ouais, ça vaut le coup. Espace 4. Tier 2, allez, on démonte. Est-ce que j'ai des kits? Ouais. Je n'ai en bleu, non, on va en fabriquer. On va déposer d'ailleurs tout ça. On a eu quand même 32 d'aluminium, du nickel, du fer. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on se fabrique. Et on va améliorer l'énergie. Voilà, on a 753. Pas mal. Un grand réacteur à fusion, j'ai pas mieux que ça. Peut-être ce qu'il faudrait, c'est un grand réacteur à ions, mais j'ai pas trouvé encore qui en vendrait. Chargeur bouclier MK3, j'ai quoi? Espace 1. J'ai plus de place. On va le ranger. Le coffre-fort, t'as looté des choses, toi. Un iridium aussi, hein. Ah, oh, puis t'as plein de minerais à fondre. Enfin, dans la station, il y a des minerais. Les rouges 41. Il y a pas de minerai vert, si 86. Ah, ça vaut le coup. Je suis désolé, on va fondre. Le flux en fait fondre en même temps plein, une dizaine je crois. Voilà, c'est ça. Ça fait par 10, je vais pas avoir assez de charge, on va recharger après. 89 minerai vert quand même. Allez, est-ce qu'on va avoir de l'iridium? Non, du titane. Et de la ferraille.
Bon, je coupe, on va laisser le flux se recharger. On va pas être sadique. Oh, c'est déjà ça. Et j'ai oublié le minerai vert, évidemment. Déjà un flux. Fabrication. Alors, composants ardoniens. Il faut deux iridium. On en a combien? On a noté que 3. Punaise. Voilà, j'en ai un, je suis content. J'en ai donc 5 et il m'en faut au total, dans la joie et la bonne humeur. Je crois qu'il m'en faut 25, c'est ça. Donc il faut que j'en crafte encore une vingtaine. Il me faut 40 iridium. Voilà l'objectif maintenant du let's play. Waouh. Mais ça laisse le temps de monter en point de flotte. Manque 35. Tout va bien. On est zen. Deux charges. Allez, vas-y. Voilà, on n'a pas. Il n'arrive pas à me fondre de l'iridium, punaise. Écoutez. Est-ce qu'on se fait plaisir autrement? On pourrait explorer un système inconnu. Tous ces systèmes-là, ce serait intéressant. Il a été exploré. Là, il y a un boss niveau 46. J'ai pas trop envie. Qu'est-ce qui nous attend là? C'est 52. Hein. 50, 49. J'étais jusque-là? Non. On pourrait se warp. Ça pourrait être fun. On va faire ça, on va essayer de fondre quand même. Encore du métal. Il faudra 3 charges. On va le déposer. Allez, on part à l'aventure. On a encore quelques minutes ensemble. Et on va aller ici. Faible, très pauvre. Inconnu, inconnu. On part à l'inconnu. Warp. Ce qui me fait penser qu'on n'a pas... Niveau 44. On n'a pas sauvegardé. Mais c'est un Vengi. Il est mort. Un crâne rouge. Allez. On a les drones d'attaque qui sont dessus, c'est bon. Ça m'a l'air bon. Où est-ce qu'on va sauvegarder? On est vraiment dans un truc qui craint. Il y a une porte de saut partout, on y va. Et avec les soigneurs, on répare. Par contre, ça va, il n'y a pas de truc vert. Mais c'est un endroit idéal pour faire des points de flotte, ça. Oh là 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 là. J'ai un mercenaire qui a besoin d'aide. Tout de suite. On va pas mourir. Oh, c'est excellent. Signal de détresse détecté. Ça vaudrait le coup. On a surtout un mercenaire qu'on va peut-être perdre. Je fais l'idiot. J'envoie les drones. On va lâcher un peu. Hein. La pression, voilà. Allez, répare, répare avant qu'on soit attaqué. Laisse-toi faire. Ok. On n'est pas mort. Et ici, est-ce qu'il y a du vert? Je crois pas. Lithium. Oublie, ici c'est pas les bons spots. On va aller dans le piège. Aïe aïe aïe. Je pense qu'on va partir. Regardez-moi tous ces élites qui pop. Moi j'en vise un. Ils
sont en train de me massacrer. Au secours! Ah, j'ai eu de la chance, la flotte est arrivée. Allez, allez, faut focus. Il y a lui là. J'en vois un qui a affaibli. Je l'ai eu. Il se moque de moi là, voilà. Attends. Comment ça se passe la flotte? Ça se passe. Arrêtez de vous soigner. Allez, allez. Comment il a été soigné lui? On n'est pas mort. Voilà pourquoi c'est chaud ici. Obéissez au maître. Revenez, laissez-le. Ah, il faut réparer. Je suis pas entièrement réparé, c'est chaud. Oui, mes soigneurs sont là, c'est bon. Monde est là. On va rapprocher les liens. Ah, 40. Nacelle de sauvetage, tout ça pour toi? Punaise. Et qui a-t-on sauvé? C'est même pas moi qui l'ai eu, d'accord. Par contre, en loot, station d'armes niveau 1. On va peut-être changer d'armement, hein. La torpille au plasma c'est pas terrible, rayon laser, ouais on va virer tout ça, on a des bons trucs là, on va tester tout ça. Bon, ça paye. Est-ce qu'ici on a la paix pour réparer tranquille? J'envoie mon drone. Alors Mortor que j'ai pas mis en soigneur, mais là comme il voit quelqu'un, il peut réparer. D'accord. Même si ça se tribue pas, ça peut être sympa d'avoir sur plusieurs vaisseaux en fait. Il est encore en flamme. Hein. Ça y est. On va faire un par un parce que le système a l'air chaud patate. Pour aller vers quoi? Le moins 1,37. On visite un. Oh punaise, mince. Cassos! Réfléchis pas. Réfléchis pas. On a sauvé le mercenaire. On l'a sauvé. Pouf! On va refaire un warp. On a vu qu'ici ça pique. Mais il me reste plus que 3 cellules d'énergie. En racheter, hein. On a tout cramé là. Module d'extorsion ardonien. Espace 5. Ah oui, non, mais il blague. Et j'ai mon petit chat de l'espace qui me dit il a faim. Attends un petit peu, on veut juste configurer. On va se mettre ça sous le coude. Professeur latéro, 4. Ça fait du 21. Ouais, ouf. On va le démonter. Le heavy nanomorph. Par contre, il est pas mal. Pas mal aussi pour d'autres vaisseaux. On va le garder. Donc deux canons ultra et une station d'armes. Franchement, bon. C'est vrai que le rayon laser est pas mal. Hein.
Mais la torpille, non. Donc j'ai 10 points. Pas assez d'espace. Espace 8, je suis désolé, j'ai 13. Ah, mais il doit pas compter les points de talent. D'accord, il refuse comme ça. Oh, punaise. Allez, on va le chercher. On va se prendre la tête. C'est mon truc qui m'a faussé sur le vaisseau, ok. Je peux pas prendre l'assassin d'armes. J'ai un talent qui m'a donné un point par niveau. Je suis au-dessus de croisette, je suis frégate. Donc si on fait le point en frégate... Je suis au quatrième rang, donc navette 1, yak 2, 3, 4... J'ai 4 points de plus, grâce à mon talent débloqué. Donc en fait, je n'ai que 9. Ah c'est ça, c'est 9 armes, et le bonus m'a donné 4 points. Je n'ai que 9 places, mais il me refuse quand même la station. Canon ultra. Non mais il débloque, hein. Je sens qu'il y a un bug avec ce vaisseau. Ok, on garde le laser. Voilà. Il doit y avoir un souci. Il fait beaucoup de dégâts. On va l'équiper. Ah, lui, il veut bien. Donc, il me reste 7 places. Ah, on peut mettre 2 rayons laser améliorés. Hein. Lance-missile pulsion. Le canon ultra. Le canon destructeur. Vitesse projectile 80 et la vitesse projetée 80, portée 168. C'est embêtant. Hein. C'est dommage, ce canon ultra me fait envie, quoi, mais il veut pas. Alors, on a 7 places. 143, et lui l'amélioré. Ah oui, il est quand même top. Il faut qu'on trouve quelque chose qui me plaise en dégâts. En fabrication, tiens, allez, on va jeter un œil. Armement personnalisé, c'est parti, on fait une tentative. Noyau à plasma. Quel noyau de canon. N'afflige que des dégâts au bouclier et draine l'énergie de la cible. On va travailler sur les missiles, tiens. On ajoute. Donc voilà. Ça part là-dessus, paf. Espace 1. Augmente la vitesse du projectile. Et le module de l'eau réduit les dégâts, tout, mais... tir rapide. Cadence de tir plus 100%. Par contre, on perd en dégâts. Ah oui, on perd dur.
Ça pourrait être marrant. On a vachement perdu. Amplificateur de dégâts. On ne regarde pas. Il me faudra des explosifs. Il veut pas d'amplificateur de dégâts. Si, je l'ai mis. Support lourd, c'est quoi ça? Oh, c'est pas terrible. Perforant. Dégâts par tir explosif, est-ce que je peux mettre. Je peux en mettre que un. Explosion programmée, on pourrait dire quand il pète. Tiens, amplifié. Portée 886, hein, c'est complètement ouf. Ah, on peut mettre de la vitesse. Du critique. Sérieux? Espace 5. Espace 7. On a un truc qui fait de l'espace 7. C'est pas terrible. Qu'est-ce que j'ai en souci en train de faire? Ça fait plus mitraillette Gatling lance-missile lourd. Ouais, d'accord. On va oublier. Ça, on connaît pas. Noyau d'impulsion quantique. Ça fait de l'énergie, ça fait du dégât. Impulsion quantique, ok. La portée. Vitesse de projectile 0, portée 0. C'est très bizarre. Bon, vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir en off à une recette. Et si ça marche, on se retrouvera là-dessus. Mais pour l'instant, on est un peu court. On verra au prochain live pour Star Valor. En attendant, je vous dis merci. Et je vous dis sûrement à ce soir, 21h avec les copains. On va farmer dans les Mistland, sûrement. YouTube, au prochain épisode. Twitch, je vous dis à ce soir si vous êtes par là. Et à bientôt. Et Nelson, un petit mot pour la fin? Oh, c'est léger. Le chat de l'espace a faim. Allez, bye bye tout le monde. On y va.